Amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous entamons le troisième round qui va être consacré aux fêtes de Sukkot et Simchat Torah avec le professeur Liliane Vanna, spécialiste en droit hébraïque, philologue et talmudiste. Bonjour, professeur Vanna. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Alors, professeur Vanna, nous démarrons avec le sens de Sukkot. Oui, Sukkot est une fête de joie, comme la fête de Rosh Hashanah dont nous avons déjà parlé, et son sens est débattu déjà dans le Talmud. La Torah dit qu'il faut résider 7 jours dans la soukha, dans une soukha, à la maison, dans une hutte, dans une cabane avec des feuillages sur le toit. Et le lien que fait la Torah, c'est en souvenir de le séjour dans les Sukkot dans le désert. Mais le texte de la Torah ne nous parle pas du tout de ce séjour dans les Sukkot, sauf lorsqu'il parle de la fête elle-même et la met en relation avec cela. Et donc, nous trouvons dans le Talmud, et déjà chez les Tanaïm, c'est-à-dire dans la loi Ora, dans les premiers siècles de notre ère, une controverse entre deux sages qui soulèvent la question si effectivement les enfants d'Israël ont séjourné dans des huttes ou les Sukkot, ou les Sukkot, les huttes dont on parle, sont les Hananekavot, c'est-à-dire les colonnes divines qui protégeaient le peuple d'Israël dans le désert. On est en plein sens de la fête de Sukkot, parce que pour l'un, la Soukha est vraiment le lieu d'habitation fragile dans lequel on doit séjourner à ce moment de l'année. Et dans cette résidence fragile, Dieu protège le fidèle qui accomplit la mitzvah, ou protège Israël de manière générale, mais là on parle de la mitzvah de Sukkot. En revanche, l'autre interprétation consiste à dire que la protection divine, la Soukha, n'est pas une chose matérielle, mais spirituelle, ce sont les Hanasbrod, colonnes de protection divine, les nuées de protection divine par lesquelles Dieu a protégé les enfants d'Israël dans le désert. En tout état de cause, quelle que soit l'école qui nous plaît, que nous adoptons, il s'agit d'un moment où dans l'année agricole, et c'est une fête vraiment liée à l'agriculture, on oublie souvent que nous étions un peuple d'agriculture, c'est un moment où on engrange toute la culture de l'année précédente, c'est une fête d'engrangement, c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'elle s'appelle, Hagayasif, la fête de l'engrangement, c'est un moment où on engrange la récolte de l'année précédente et que l'on va préparer l'entrée dans l'hiver. C'est une fête avec les autres que nous avons déjà analysées, Rosh Hashanah et Kippour. Ce sont des fêtes qui tombent en automne et la résidence dans la Soukha, à un moment où justement il commence à faire froid, où il commence à pleuvoir, où il commence, nous appelons aujourd'hui le mauvais temps, eh bien, c'est un moment où justement la Torah nous demande de résider dans une habitation fragile et de penser à la dimension de la protection divine. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et que Dieu va nous protéger. Il s'agit de prendre conscience de tout cela.
Merci, professeur Vanna. Nous allons tout de suite écouter Yashema Avionera. Yashema Avionera, Ham Khalil.
professeur Liliane Vanard va nous parler de la place dans le calendrier de la fête de Sukkot et des us et coutumes. Oui, alors la place est claire puisqu'elle est expressément désignée dans la Torah. C'est le 15e jour du 7e mois que la fête de Sukkot commence et elle dure 7 jours. Mais il y a un 8e jour qui est accordé et ajouté. Et en disant 8e, j'ai déjà dit une inexactitude. Parce qu'en fait, le 8e jour s'enchaîne avec la fête de Sukkot, sans aucun doute, mais il ne fait pas partie de Sukkot. C'est-à-dire, la fête de Sukkot et l'obligation de résider dans la Sukkah dure 7 jours, et le 8e, c'est un jour chômé, mais on ne réside plus dans la Sukkah. Alors, on voit cela de manière claire à travers une autre mitzvah que celle de résider dans la Sukkah, c'est l'obligation d'agiter le loulav, le bouquet des quatre espèces qui contient la branche de palmier, le étrog, le cédra, le hadas, la myrte et la harava, les branches de saule. Donc ce bouquet-là et la résidence dans la Sukkah ne sont obligatoires que pendant les 7 jours de la résidence dans la Sukkah. Or, le 8e jour est un 8e jour chômé, mais il ne représente que la clôture de tous les cycles des fêtes du 7e mois, du mois de Tishrei. Donc, la question du calendrier est très importante ici, et elle nous permet de comprendre l'organisation du cycle. Un autre point, c'est qu'à l'époque de l'existence du temple, on offrait aussi des sacrifices tous les jours. Pendant cette fête, des sacrifices qui sont liés les uns aux autres dans le cycle qui est constitué par 7 jours. En revanche, le 8e jour, qu'on appelle Shemini Atzeret, est totalement séparé. Alors, par voie de conséquence, les us et coutumes sont différentes pour les deux fêtes parce que, d'après la halakha, ce sont deux fêtes distinctes, Sukkot et Shemini Atzeret. Alors, les us et coutumes sont les suivantes, c'est que dans la Sukkah, on a l'habitude de la décorer. Dans beaucoup de communautés, on tient à ce que, parmi les décorations, il y ait les sept fruits d'Israël, du pays d'Israël, outre les autres fruits. Dans beaucoup de communautés, on met aussi des photos ou des dessins d'Israël, du pays d'Israël. Et il y a la grande coutume qui existe à inviter cette grande figure de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, on appelle ça les Ushbizin, les invités. Ushbizin, c'est un mot en araméen. Et ce sont les invités, et d'où la coutume aussi de réciter des chants, des piyutim, des chants liturgiques pour chacun des invités de l'histoire, comme Joseph, David, les patriarches, etc. Mais ces dernières années, je tiens à signaler, on a ajouté la coutume des Ushpizot. Il y a les invités E accent aigu S, mais aussi il y a les invités E accent aigu ES, c'est-à-dire les femmes. Et donc, dans beaucoup de communautés aujourd'hui, surtout aux États-Unis, en Israël, en France, on ne connaît pas ça, il y a les Ushpizot, donc des femmes qui font partie de cette liste, entre guillemets, des invités dans la Sukkah. Évidemment, il s'agit des invitations symboliques, il y a des chants, et il y a des commentaires bibliques, et on fait une veillée d'études dans beaucoup de communautés, mais en principe, on devrait la faire partout, mais il y a des communautés qui ne le font pas, étant donné le climat qui règne, le temps, le mauvais temps, normalement, il y a aussi une veillée d'études, et dans cette veillée d'études, bien évidemment, les Ushpizin et Ushpizot en font partie. Alors, professeur Vana, pour nous faire plaisir, nous allons écouter une grande dame, nous allons écouter Barbara Streisand dans Avinu Malkeinu.
Liliane Bana va nous parler maintenant de Simchat Torah pour terminer cette émission. Alors, Simchat Torah, on ne peut la comprendre que si on a bien saisi ce qu'est Shmini Atzeret, le huitième jour, dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Il n'y a pas de fête qui s'appelle Simchat Torah. Je choque peut-être le public qui m'entend, mais c'est ainsi. Alors, je m'explique. Le Shemini Atzeret, c'est le huitième jour qui s'enseigne à Sukkot, comme je viens de le dire, et il est une fête en elle-même, prescrite à la Torah. Mais à partir du Moyen Âge, on constate une habitude, une coutume qu'on a créée, une coutume nouvelle, qui est liée à la lecture de la Torah à cette date-là. Et on a greffé sur la date de Shemini Atzeret un autre usage, qui s'appelle Simchat Torah. Jusqu'au Moyen-Âge, on ne connaît pas Simchat Torah. Simchat Torah, enfin la fête que nous appelons la fête de Simchat Torah, n'est pas connue, n'existe pas. Alors pourquoi et comment elle apparaît au Moyen-Âge? C'est parce qu'en réalité, il y a une différence entre les coutumes de Eretz Israël et de Babylonie, et qu'en Babylonie, on terminait le cycle de lecture de la Torah en un an. Alors qu'en Eretz Israël, on terminait le cycle de la lecture du cycle de la Torah en trois ans.
en trois parties, et chaque partie sera lue sur une année, et le cycle de lecture se termine sur, au bout de 3 ans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du Moyen-Âge, c'est la pratique babylonienne qui s'impose, et on a voulu la marquer par une sorte de rite de festivité. Alors, maintenant, professeur Vanna, vous allez replacer les us et coutumes de Simchat Torah, si vous le permettez. Justement, les us et coutumes de Simchat Torah sont liées à ce que je viens de dire, puisque ce n'est pas une fête biblique, et c'est une pratique qu'on a choisi de mettre en place. Donc, en Israël, le Simchat Torah va coïncider avec le 8e jour, et comme en Israël, il n'y a qu'un seul jour de fête, bien, il n'y a pas de journée de Simchat Torah en soi. En revanche, dans la Gola, comme en diaspora, nous devons faire 2 jours de fête, de toutes les fêtes, eh bien, le premier jour sera Shmini Atzeret, et le deuxième, on va dire que c'est Simchat Torah. Donc, en fait, on ne célébrera pas Simchat Torah au même moment, en Israël et dans la diaspora. Donc, ce qui va se passer dans les deux cas, quel que soit le jour, c'est que on va sortir tous les sifrei Torah, tous les rouleaux de la Torah qu'une synagogue dispose, on va tous les sortir, alors que d'habitude on ne sort qu'un seul ou deux selon les occasions, s'il y a une fête. On va sortir tous les livres de la Torah dans la synagogue. On va danser avec ces livres de la Torah et faire le tour de la synagogue avec ces livres en chantant, en dansant, en s'arrêtant pour dire des piyutim. Outre ces danses et ces chants, on va faire monter tout le public présent à la synagogue à la Torah. D'habitude, il n'y a que 7 personnes qui montent à la Torah. Or, le jour de Simchat Torah, on fait monter tout le monde. Même les petits, même si ceux qui ne sont pas bar mitzvah, alors que ce n'est pas, on ne le fait pas pendant toute l'année parce qu'ils sont mineurs, ils ne font pas partie du quorum. Dans certains lieux, et surtout en Israël, on fait même sortir les sifrei Torah, les sifrei Torah dans les rues et on danse avec des sifrei Torah, même dans les rues, et on va d'une synagogue à une autre se saluer avec, en chantant, en dansant avec les sifrei Torah dans les bras. Ces dernières années, Simchat Torah a été un moment très important pour l'évolution de la place des femmes à la synagogue. Comme je viens de le dire, toute la synagogue monte à la Torah, même les mineurs, même les petits, même ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à la synagogue toute l'année, etc. Depuis quelques années, enfin quelques années, ça fait bientôt 40 ans, Simchat Torah est devenu un moment où les femmes lisent la Torah en public et font monter d'autres femmes à la Torah. Donc, c'est un moment très important à la fois pour tout le peuple d'Israël, sans aucun doute, mais également pour la place des femmes dans le judaïsme orthodoxe, et je parle bien du judaïsme orthodoxe. Merci, professeur Vanna. Et avec l'ensemble des auditeurs, permettez-moi de vous remercier pour ces 3 émissions consacrées aux fêtes de Tishri et aux Seliot, de vous souhaiter Shana Tova, Hatima Tova, et pour l'ensemble de ceux qui comprendront, Mara Maher. Merci, je souhaite Shana Tova et Gmar Hatima Tova à l'ensemble des auditeurs et j'espère vous voir et vous entendre et vous voir surtout assister à nos lectures de la Torah très prochainement de Birkat HaTorah. Merci professeur Vanna. Quant à moi, chers amis, je vous dis Shalom Veleishtamea, Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.